bébé. Ata kompasi eko humela na bomo inangai na bangate. Ata kobako sekanga lelo yoe na tale la yo Yesu nangai. Na boya koiba kosalama be po na yamba yoe. Nanzimina nga baseka babwa kisanga kasi natika la sembo liboso na yo bongo nga yo yo mosala babenganye ayana sala nini balobi nanga na pona entre zambe na mosala kasi ngai na poni yo Yesu na ngai solo Nanzimina zanga nyoso Nazala na yo mopesi na nyoso Atambonge ye Atambonge ye Koya Opepe koya Yelongo na yo na koko bakaka ye Nazalina posa ya kotanga kelasi nanya kosalisa ngaye ngako baboti makokite na luka oncle tantine nanya kosalisa ngaye balobi nanga na kokipe kosala lokola basuswe pona réussir na vie Yesu na ngaye kasi na boyi koteka nzotwe Pona yamba yo Yesu Na boyi nanga kosede na université o Nanzimi kotalela yo Nga yo yo na libota babenganye Yaya na sala nini Balobi nanga na lekeli tango Oh, nandimi kotale la yo, atambonge ye, ekoya, obebe koya, elongo na Yesu toko koba kaka ye, toko koba ye, atali kolo makasi koleka ye, elombe o, siya, amo pepe nyonso. Atako bako sekanga lelo yo na bangateo Atako entourage nanga ekoti kanga lelo na bangate Atako ba pesinga ba kombo nyonso balingi na bangate Atako ba benginga mama mela milange na bangate Permanence comme référence ya vinanga e na bangate Na yebi mbonge mpe Salut, oh, 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 oh
komata ikolo ozambo kondi ozambo kondi yesu nanga kayo yo 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 Yahweh Yahweh Hosanna Hosanna Papa Yahweh Yahweh Ah Nabangate Nayebi Yesu Azalie Azali poso sima mopanzi ya kotambwisanga Na yebi na kulonga kaka Personnellement, je m'appelle Olivier Mwinjumpndala. Je suis un artiste musicien congolais qui vit à Kinshasa, bien sûr. Et je suis père de deux enfants, deux magnifiques enfants, une fille et un garçon. Et puis, je suis marié à une très jolie dame, maman Anne Kepps. Ok, moi, c'est la sœur Anne Kepps. Je suis artiste musicienne congolaise aussi. Je suis chanteuse dans le groupe Adorons l'Éternel et aussi vice-présidente dans le groupe Oliane Musique. Mariée, mère de deux enfants et... On fait un petit coucou à Oliane et Stéphane. Si je me rappelle bien, je suis toujours dans la musique. J'ai commencé par les kodim et tout le temps jusqu'à ce que quand j'ai atteint l'âge de 15 ans, j'ai intégré un groupe que nous avons formé et depuis là j'ai commencé à apprendre les pianos et autres jusqu'à ce que j'ai quitté Lubumbashi, ma ville, pour venir ici à Kinshasa. Et en ces moments-là, j'ai joué déjà très bien le clavier, et quand on a commencé à m'appeler à gauche et à droite et j'ai compris que c'était une vocation, alors il fallait en faire que je sois professionnel jusqu'à ce qu'aujourd'hui je me retrouve, c'est que je suis dans la musique. Moi, je le faisais, on le faisait à la maison. À l'époque, on était encore de petits. Et c'est notre papa qui nous a donné vraiment le goût, parce qu'il faisait ça presque chaque week-end. Comme il ne travaille pas le week-end, et il mettait la musique à chaque moment. Et pendant la semaine, tu as tout ton temps de maîtriser, mémoriser. Le samedi, on fait le concours pour que celui qui va maîtriser les trois ou deux chansons, tu as quelque chose d'encouragement. Donc c'est avec ça que j'ai évolué. Et à 13 ans, j'ai commencé dans le groupe de l'église. Mm-hmm. Et Dieu a fait grâce avec le temps, 13 ans, 14 ans, Dieu a fait grâce. J'ai intégré le groupe Gaël. Et avec le groupe Gaël, jusqu'à aujourd'hui, je continue. Donc je rends grâce à Dieu. Oliane Ministries, Oliane Musique. D'abord, Oliane veut dire Olivier et Anne. C'est trop simple. Et nous avons commencé d'abord, au début, c'était notre amour. On ne pensait même pas au ministère. Nous nous sommes d'abord rencontrés et on s'est aimés. Et c'est dans le temps des fiançailles que nous avons eu le temps de nous découvrir. Et moi, je me posais une question. Quand je l'ai entendu chanter pour la première fois, je me suis dit, waouh, quelle belle voix. Elle aussi, quand un jour, elle est venue me voir et elle m'a trouvé en train de jouer le piano, elle s'est étonnée parce que nous ne nous sommes pas rencontrés à l'église. Alors, la vision, c'est nos deux
talents, nos deux capacités, nous les mélangeons et quelque part nous nous rendons compte que on peut former les musiciens. En tant qu'ingénieur de son, on a un studio audio. En tant qu'aussi formateur, on forme les musiciens et derrière tout ça, on a un groupe musical, un groupe puissant et Dieu permet à ce que nous puissions avancer. Nabangate veut dire « je n'ai pas peur ». Peur de quoi? Peur de tout ce qui peut m'arriver. Ah, dans la chanson, on dit « Atambonge pe mon pepe koya, elongo na yesu na kobangate ». Peu importe le vent et marées, avec Dieu, j'ai la foi et l'assurance que nous irons jusqu'au bout. Amen. Nabangate. On est en train d'exhorter le peuple de Dieu, parce que des fois, on pense que dans la vie chrétienne, il n'y a que des étoiles. On ne pense pas qu'on peut aussi découvrir des choses qui peuvent nous faire mal. Donc, Nabangate, ça nous exhorte, peu importe ce que je vois, c'est possible de le voir. Ce n'est pas le mauvais esprit ou les liens. Si Dieu veut te faire passer, Nabanzela Wana, tu vas vivre ça. Mais malgré tout ça, il ne faut pas avoir peur. Kamuisanga, Mimonisa veut dire manifeste-toi, Seigneur, étonne-moi. C'est juste une prière que nous sommes en train de faire. Et au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre, il y a des choses qu'on peut demander à Dieu. On doit dire à notre Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Seigneur, j'ai besoin de tout. J'ai besoin afin que ce que j'ai comme difficulté puisse partir. Et quand la Bible nous dit prier sans cesse, et nous traduisons cela par rapport à dans la musique, et nous disons, Seigneur, manifeste-toi. Quel que soit ce que je peux avoir comme difficulté, comme problème, je te demande que tu puisses te manifester. Je demande ce que je n'ai pas encore vu. Seigneur, permets à ce que je puisse le voir, quel que soit le temps. Oh,
nisa Tango yo Jova Rafa Babeli Babika Tango Ekoki Tango Ekoki Kolomi Bodisa Tango Tango yo Nanuécilité, c'est une chanson d'assurance, de foi aussi. Ça renforce aussi l'assurance. On cherche à dire au peuple de Dieu, faut pas perdre l'espoir, parce que ce n'est pas encore fini. Si à l'âge de Sarah, elle avait eu Isaac, donc il y a encore de l'espoir pour toi. Ah, le panier circule encore. Comme ton temps. Nanuto yebite batoni toko, mais il ne perd pas l'espoir. Nanuécilité. Continue à persévérer parce que tanozoko makalate. Nanuécilité. Ce qu'il promet, il réalise toujours. Et ce qu'il nous promet aussi, je le crois de tout mon cœur que tu verras la main de Dieu dans tout ce qui t'est dit. Natatola bola mwa mokonzi e po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene na yebie nanuécilité aza moto te po akosa mwana ya moto te po abongwana e nyonso alaka na bomoi ya baenge bene Nanuécilité, Mika, Nanuécilité. Ah, Togo Tatola. Sarah dans sa vieille, Asimba qui mouana bilakaye. Bisika espoir et zala kiteo. Après combien d'années, Asimba ki mwana na ye Isaac, bongo po na yo e. Nanuécilité. Oya laka, ayebi ya koko kisango. Oya loba, ayebi yo komo nango e. Soki lelo, ko bondela, yeba. Capable ya kozongisa au sensible lulenge moko asalaki na Job Nzambe
abongwanite ayebi ko respecter promesse o azan zambe na bomoi likambo ninyo kosenga liboso ya mokeli na nyoso azanga ko pesa yo mwana moto te po akosa o azan zambe na bomoi nga na kozela yo masia nga na kotalela yo masia nga na kolemba te masia nga na kotingama yo Ayebi ko kata likambo Mokolo li solo Ayebi ko suki sali solo Lisapo ya vinanga Etali kaka Yesu Yesu Mokolo likambo Ayebi ko kata likambo na ye Mokolo li solo Ayebi ko suki sali solo Likambo ya vina yo Etali kaka Yesu Colembateo, oh ya ya, Mokelinanga, nakata ma boteli na kozela, elombe ya motema nanga, nakata imilisa misose pa ina yo ya ya, nakata ma opi na kolela. Nani kama wewe, qui est comme toi, nani akokani na yo, c'est un magnifique chant que j'ai pris le refrain quelque part chez les Tanzaniens. Et cette chanson, ça me touche d'abord moi-même. Quand je regarde la grandeur de notre Dieu, quand je regarde sa puissance, quand je regarde un Dieu qui a permis à ceux qui puissent envoyer son Fils unique pour qu'il puisse mourir sur la croix de Golgotha afin que je puisse avoir la vie, c'est Dieu-là. Qui peut se comparer à lui? C'est un Dieu qui fait des miracles. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait sûrement. Un Dieu, quand il promet, il ne ment jamais. Quel que soit le temps, il finit toujours par réaliser sa promesse. Alors quand je regarde, je dis, non, mais je peux parcourir le monde entier. Je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut se comparer à notre Dieu. Et quelque part, j'avais fait une prière en disant, qui est comme toi, ô Dieu? Il y a beaucoup qui se sont prononcés sur cette terre comme des dieux, mais tous nous les avons enterrés, sans exception, tous ont été enterrés, mais seul Christ qui est mort sur la croix de Golgotha, quand on l'a enterré, ils ont pensé que c'était fini pour cet homme de Jésus, mais ce n'était pas fini. Le troisième jour, il est ressuscité et aujourd'hui nous pouvons tranquillement proclamer le nom de Jésus avec assurance parce que nous croyons et nous voyons ces miracles. Baba yangu mie, hakuna mwingine kama wewe, jemadari mufalme wangu. Ni nani kama wewe, Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe, Bwana? Nani kama wewe? Mwenye nguvu, muweza vyote kama wewe. Nani
Lukumu Ezayayo, c'est une chanson d'adoration, une chanson de d'adoration rendue à Dieu, parce qu'il est le maître de tout, l'unique et le véritable. Il y a beaucoup de gens qui nous ont promis des choses. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit des choses, mais en aucun jour, Bakumata n'y voit qu'au respecter. Mais notre Dieu nous a promis tant de choses et il le réalise. Il a accepté de donner sa vie pour moi. Il a accepté de me ramasser et de continuer la route avec moi. Et tout ce que je veux avec lui, pourquoi pas lui rendre gloire. Lokumu Ezayaye, Lokumu Seyayo Yesu, Ebongina Mototeo. Il est l'unique qui mérite ça. La chanson, quand on chantait ça dans le groupe Gaël, c'était vraiment profond. Il y a deux fois, le jour où on m'avait donné ça pour interpréter, je me posais tant de questions. Et puis je me suis dit, Seigneur, dans tout ça, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, dans tout ce que j'ai vu dans ma vie, il n'y a que toi qui mérites ça. Yahweh, lokumu Ezayayo, salangana yebae.
pousse motema na yo lo banga na yo kae ma bazo ya molimo na yo bongongara ko kisa papa e ma pousse motema na yo e bongongara loba maloba e ma eko simba yo yesu lo banga na yo kae ma bazo ya molimo na yo simanga na Papa, ma bolongo na sena sanjola na mitika yawe liboso na yo poza nzambe na bolingo nzambe na bolingo obongi na lokumu nyoso elombe lokumu eza ya yo yawe okonzi lokumu ango ya yo Tata mololoko Abongi na ngote Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a pas plus tard que l'année passée, on rêvait vraiment se retrouver dans cette émission, passer l'émission avec vous. Et je me posais tant de questions. Est-ce que moi, vraiment, moi, je serais à mesure de passer cette émission? Et aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de passer l'émission. Donc, j'ai dit merci à Dieu. Ça m'a fait vraiment du bien et j'ai aimé l'ambiance. Ah non!
dedans. Le professionnalisme que nous avons vu sur le plateau, ouais. Le professionnalisme des caméramens, ouais. Des régisseurs, du réalisateur, du journaliste qui nous pose des questions. Non, un coup de chapeau à Buwan Acoustique, et un coup de chapeau à tous les dirigeants de Buwan, ouais. Que nous remercions beaucoup pour leur soutien par rapport à notre ministère. Si. Et toi, ça qui dit là. Un grand merci. Thank you.